parler avec moi. Eh bien, je vais lui donner le micro. Oui, bonjour à tous. Ben, je crois que c'est reparti encore cette année. Hein. Et en pire, et en gloire ça à qui, bien sûr, au comité des fêtes, à trois malades dans nos minettes. Je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez tous. On voit ça aussi à des bénévoles. Sans eux, on ferait quoi? Il n'y arriverait pas. Ils sont employés de plus en plus nombreux. Donc merci aux bénévoles. Le chemin parcouru en 5 ans, c'est purement incroyable. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a 5 ans, on avait commencé, on était parti sur 20-30 mobilettes, on était quand même 70. Et là, on est à 400 et on bloque. Et on bloque parce qu'on a peur qu'après, ce soit un petit peu trop dur dans l'organisation. Donc voilà, donc, la fête à la Cassagne, c'est ça, c'est les mobilettes. Hier soir, c'était la soirée festive avec un repas festif. On avait un groupe qui est venu animer un petit peu cette soirée. On a eu à peu près 1000 personnes. On a dû faire dans les 400 repas. Les repas, ça continue à midi, 750. Et ce soir, 500. Voilà, c'est bon. Non, c'est une belle fête, une belle journée. Et vraiment, c'est là où on voit tout le bénéfice du bénévolat. Voilà, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde qui participe. Donc il faut des jeunes qui entraînent tout ça. Et le comité de fête de la Cassagne, vraiment, il est exceptionnel pour ça. Alors, la Cassagne s'est fait une réputation, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Réputation mobilette. C'est ça, c'est la réputation, c'est ça. Maintenant, on est le premier rassemblement de France. Bon, il y en a qui disent d'Europe, mais il ne faut pas exagérer non plus. C'est vrai, c'est vraiment la fête de la mobilette. Voilà. Des passionnés qui viennent de très loin. Ah oui, il y en a qui viennent de très loin. De Belgique, je crois. Oui, oui, il y a des Belgiques, il y a des Anglais, ça vient de très très loin. Même tous les exposants des pièces mobilettes et tout, ce sont des gens qui viennent faire ce marché. Il y en a qui viennent de Nantes, il y en a qui viennent de La Rochelle. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors c'est d'autant plus incroyable que ce n'était pas voulu au départ. C'était, au départ, comme il a expliqué tout à l'heure, c'était un petit rassemblement d'entre copains. Voilà, entre copains. Et puis voilà, les copains d'à côté sont arrivés et puis ça a pris une ampleur maintenant. C'est considérable. C'est vraiment considérable. Alors vous-même, vous n'êtes pas venu avec votre mobilette cette année? Non, cette année non. Non, non, j'ai eu des petits problèmes de santé. Non. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, voilà. Merci. Je suis le lieutenant Vendin, je commande les gendarmeries de Montignac et Terrasson. Passionné moi-même depuis les naissances. Et évidemment, on m'a demandé avec ma mobilette de venir vous faire un petit clin d'œil ce matin. On va respecter le code de la route, on va passer un bon moment tous ensemble. On fera la fête cet après-midi gentiment. Si la chasse aux mobilettes pour mes équipes, elle n'est pas ouverte, il n'en demeure pas moins que si on doit intervenir sur un accident, le boulot il va être fait. Donc chacun prend ses responsabilités. Ça c'est la première chose. J'ai un deuxième très gros rassemblement à Condat-sur-Désert. Donc j'ai 7 équipes dehors. Donc il y a une équipe sur un responsable. Un petit peu responsable. Maya Labelle, vous avez des costumes fantastiques. Bel état d'esprit. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et profitez bien de cette journée. Merci à tous de vous être là, nous faire confiance, tous les autres, pour la gratitude. Ils sont là, je vous remercie de votre part. Au revoir.
aïe, aïe. Il y a encore du jus de fruits. Vous n'allez pas avoir trop chaud. J'ai un peu chaud là, mais ça va le faire en roulant avec l'air. Ouais. Voilà, même 110 ans, on vient, on perd en roulant. Et c'est ça qui est, quoi. Et c'est ça. Voilà. Et écoutez, vous mettez 110 ans, c'est ça. Thank you.